Allez, salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, et salut Twitch aussi, vous êtes encore très nombreux, il est très tard, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue pour la suite d'Alien Isolation, et on est parti. Je n'étais pas sur la bonne scène l'épisode d'avant, je suis désolé que vous ayez vu des petites barres, des petits trucs un peu partout. Bah voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, de toute façon, qui êtes-vous pour me juger? Hop, on l'a déjà lu, hein. Voilà, si je veux le relire, qui va faire quoi ici? Bah vous allez rien faire, ok? Vous allez strictement rien faire. Allez, on est parti donc pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 18. On a quoi? On a un levier. Les leviers, j'adore ça. Boum! C'est directement baissé. Et là, tout le monde va fermer sa gueule, ok? Bon, il y a quoi là? On va aller checker quand même là, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre ça, c'est une petite texture buggée. C'est bien une texture buggée. Ok, c'est un petit bug, ça arrive. Attendez, j'ai bien save. Bon. On va le refaire parce que là le doute m'habite fort. Voilà, vaut mieux plus que pas assez. Point trop n'en faut, l'astico. Il a pas les yeux rouges, hein. Il a les yeux rouges. Ok. Ah, je commence à... Voilà. Quoi? Wesh, mes frères, vous arrivez comme des Robocop aussi, c'est trop. Oh non. Allez, suivant. Hop, alors, on se prend la porte. Bolos. C'est trop, frère. Vous êtes épuisant. Vous êtes épuisant. Non, mais voilà. Wesh! Arrête, frère! Arrête, mon ref! Il est mort. Il est parti en enfer. L'enfer l'a appelé. C'est terminé pour lui. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Hop, on court ici. C'était un acte de possession, les gars, c'est normal. En même temps, les gars, c'est un androïde, on est dans les vaisseaux, on est dans les mêmes merdes. C'est normal, on aurait tous réagi pareil, hein. Attends, on aurait pu se cacher, bordel de merde. Peut-être vraiment utiliser beaucoup trop de tout, en fait. Qui aurait pas convulsé à sa place, les gars? C'est le choc émotionnel. C'est le post-traumatique, les gars. C'est normal, encore une fois. C'est chiant, frère. Oh, sachant que cet épisode, ça va nous emmener en enfer. Cet épisode va nous emmener en enfer, ouais. Cet épisode, ouais. Ok. Putain de merde. On dirait presque que le RTX était inventé avant l'heure.
n'atteigne pas les standards de Sixon. Veuillez enregistrer une plainte. Ok. Oh non. Oh non, le cul de sac! Le cul de sac! Dépêche, 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 cousin. Dépêche, cousin. Dépêche, cousin. Vite, vite, vite. Ok. Synthétique de Sixon puisse interagir avec lui. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. Prends toutes les mesures que tu veux. Il va mourir. Ah ok, il me dévoile pas son plan, le mec. Il s'est dit ok, c'est ça passe, guys. Frère, dis-moi ton plan, mon ref. Puissance faible alors qu'il y a 2 secondes la puissance était ok hein. Foutage de gueule ce vaisseau. Je vais utiliser la chambre de reformatage, c'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Bien sûr, je comprends totalement. Ah, il va sûrement venir dans cette pièce, attends le ref. Save. C'est bon. Ouais, je le sens à aucun moment. Hein. Là, je vois pas dans quel monde le plan peut être ok tier. Si on doit faire une tier liste des plans les plus foireux. Oh, putain. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez pas bonne chance. Samuel, pardon. Non. Mais frère, t'as cru que t'étais un héros, mon ref, ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Wow, il est envoyé en enfer immédiatement. Initialisation de la connexion à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. Oh, la station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Allez, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuel? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non! Amanda! Vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Quoi? Samuel, je vais essayer. Ça n'a aucun but. Attendez. Vous devez le faire dans le bon ordre. Mais frère, c'est... Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. C'est pour faire des IRM ou ça? Hein, de Sixon. Débranchez le câble rouge en premier. Ok. Rouge en premier. Personnel humain, veuillez l'évacuer. Ceci n'est pas un exercice. Ok. Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez? J'ai que ça fout, putain. Mais à quel moment il y a un ordre de câble, frère? On débranche ou on débranche pas l'appareil, mon ref? Je l'ai. Bleu déconnecté. Après? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Bam! On ne facilite pas la tâche. Il faut le suivant, Samuel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
pas dehors, Ripley. Oh non, les bâtards. Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Si, j'ai différencié vite. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Vas-y, nique sa mère. Hein. Alors que je me souviens des couleurs, hein. T'aurais pu juste me dire la couleur. Hein. Tu prévois. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Panneau de sol, je vois que ça. Adieu. Il est mort. 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 Il m'a saoulé. Non ? Ouais, voilà. Ouais, ça va, frère. Dis-moi la couleur une bonne fois pour toutes, on va arrêter de chipoter. Yo, les gars. Samuel, tes idées de mort, là. Oui, c'est bien trop dangereux. Ah, c'était ça le panneau. Ah, bah ouais. Bah ouais, c'était lui. Ah, j'avais une chance sur deux, hein. Mais quelle idée d'aller dans cette machine aussi, mon ref. Frère, c'est pour faire des IRM, c'est pas pour communiquer, il est complètement timbré. Avertissement, initialisation de la connexion à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Cette scène, je sais. Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non, Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuel, je vais essayer. Attendez. Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. On se prépare. Hein. J'essaie d'accéder au schéma de Sixon. Débranchez le câble rouge en premier. Et là, j'aurais kiffé qu'ils inversent. Rouge en premier. Personnel humain, veuillez évacuer. Ceci n'est pas indiqué. J'aurais kiffé que ça soit aléatoire, tu vois. Ils inversent la phrase ou les lignes. Bon. Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez ? Je m'en occupe, bibiche. Je l'ai ! Bleu déconnecté. Après ? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne me facilite pas la tâche. Il me faut le suivant, Samuel. Quoi ? Allez. Qu'est-ce qui se passe dehors ? S'il te plaît. Je m'en occupe. Les lumières d'urgence se sont allumées. Dégage. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Trouvez. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android je préchote, pas très loin à côté. Comme ça, on va se trouver. Plus que le dernier maintenant, Ripley. Allez, il est sauf. Ah bon, c'est bon, il faut le passer. Mais il peut pas juste glisser en fait. Non mais, il se fout de la gueule, il est même pas attaché, frère. Il avait juste à reculer en glissant. Non, il abuse, c'est un forceur aussi, lui. Hein. T'es un forceur. Meurs là-haut. Meurs tout seul. Hop, bah voilà, tiens. Samuels, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. Je vous en remercie. Putain, il est ventriloque. Le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi ? Je voulais qu'Amanda Ripley puisse tourner la page. Ok. Bah, merci. Hein. Salut la zone. Hein. Bisous, je m'envole. Ouais, Ricardo. Wesh. Si t'es là, réponds. Ça vient de se passer. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Et plutôt deux fois qu'une. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Utilisez le transit privé vers le noyau d'Apollo. Ok. Qui dit noyau dit le centre. Qui dit centre dit peut-être la fin. Peut-être la dernière, l'étape ultime. The ultime étape. The ultime step. The step ultime.
Attendez, le doute m'habite. Ok. Genre, il va là où je vais. T'iras. J'irai où tu iras. Il vient pour de l'endroit. Bonsoir. Non, il abuse, wesh. Il s'était ou quoi, le mal. Regardez sa grosse tête. Ah oh, ouais, comme par hasard, Riddy m'attendait au bout. Lui, il est con. Hein. Ok. C'est quoi ce bruit? Ok. Ah, j'ai failli le relire une troisième fois. Très bien. On dira où tu iras. Ouais, qu'importe où. Je viens de trouver un truc, un enregistrement. Faut que t'écoutes ça. Vas-y, balance. Toi, c'est Margot, c'est bien ça. Ouais. Moi, c'est Zilo, chef de secteur chez Wayland Utah. Oh, la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Laisse Ripley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Yutani. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! J'ai entendu. Ok. J'ai monté un petit peu le son. C'était plus agréable pour suivre la conversation. J'avais l'impression d'ailleurs que quand Ripley elle a parlé, elle était dans mon oreille gauche. Ça, c'était terrible. C'était vraiment bien fait. C'est la voix du frère de Nathan Drake dans Uncharted ? Possible. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le transit privé d'Apollo est disponible. Embarqué à destination du cœur d'Apollo. Il y a un mec qui joue à Pac-Man ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce... What is the merdier? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Mec qui jouait une bande d'arcade ou quoi les refs? Attends, c'est là que je dois aller hein. Ouais, bizarre. Bon, il a fini sa partie. Non, pas besoin de save. In the eyes and wages. Bam, 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 6 morts. Sauf que j'ai que 5 balles. C'est parti pour le noyau. Allez, c'est parti. Normalement, c'est là-bas la sortie. Ouais, ça faisait un petit truc genre comme Pac-Man, tu vois. C'était sympa. Mais attendez, on est déjà à la fin, là. Obtenir un accès. Ah, ça paraît sûr.
la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre. Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance, mais Samuels a réussi à faire... Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé de survivants, dommage. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas croisé de survivants. Un peu triste. Ok, première fois qu'on vient ici. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, peu cher. Hein. Oh, ça a de la gueule. Hein. Ok. Ah, excusez-moi, monsieur. Ok. Et ben voilà, je l'ai, les gars. Ma balle de revolvers en plus. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Bah, rien. Notre ascension vers Sébastopol, ok. Je vous laisse mettre pause. Heureusement, Sixon attendait dans les coulisses pour redonner le charisme à la station. 21-24 marque ainsi notre arrivée sur Sébastopol, rendant enfin possible. Ok. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. Il y a du liquide de refroidissement partout. Le gaz fuit et l'ascenseur d'accès principal s'est verrouillé. J'ai fait une demande d'aide, mais je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement omnibulés par les mesures de confinement. J'ai trouvé un moyen de descendre. Spedding, terminé. Le fameux confinement, on connaît. Le jeu est... Arme à feu détectée. Putain, c'est pas vrai. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Non. Sixon et Apollo, remercie pour votre aide. C'était sûr. Tu parles. Oh, c'est... Ouais, toujours plus. J'étais tellement sûr, putain. L'ascenseur d'accès aux noyaux d'Apollo est actuellement hors ligne. Les systèmes primaires d'Apollo sont actuellement inaccessibles. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite des acheteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Vérifier les schémas des visites de vente d'Apollo. Ouais, bien sûr, ouais. Ça paraît simple. Mot de passe requis. Ok. Ça a bugué ou quoi encore? J'en ai marre. Ah putain, je l'ai le mot de passe. Tiens, je peux pas récupérer mes armes. Ah, mauvais délire. C'est 21-24. Mot de passe requis ? Votre sécurité est au cœur de notre préoccupation. Donc là, j'ai perdu mes armes gratuites. Non ? C'est bizarre ça. Ouais, je sais que 21-24 c'est l'année, mais tu vois, sur un malentendu. Les gars, qui a en mot de passe ? Dites la vérité. Qui a en mot de passe sa date de naissance ou autre, tu vois, ou la date de naissance de votre clébard? On embrasse, hein, évidemment. Tout le respect qu'on a pour les clebs. Vous savez à quel point je les aime. Je ne comprends pas, en fait. Ah, c'est dommage que je sois aussi con, hein, putain. Oh, bah ouais, il est là, putain de merde. Ok, voyons. Il y a une liaison électrique jusqu'au noyau d'Apollo. Je peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer ? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre ? Fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. Et ben voilà, 49-30. Allez. Ah ! C'est comme quand t'acceptes dans les MMORPG à chaque fois, et pour te débarrasser de la conversation, t'appuies vite sur croix, et en fait ça relance la conversation avec le PNJ. Vous connaissez ça, hein, dans les RPG ou autre, hein. C'est l'enfer, hein. T'as envie de te foutre en l'air. Allez, c'est safe ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un va dire quelque chose ici? Ouais, je pense pas. Tout le monde va fermer sa gueule. Merde, ça c'est l'issue.
va aller checker derrière quand même. Dans le doute ta bite. Qu'est-ce que c'est que ça? Impressionnant. Eh, regardez, il n'y a rien, mais bon, ça fait plaisir. Ok. 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 Très bien. Jusqu'ici, il n'y a pas d'erreur. Moi, il faut que j'aille check au bout. Il y a forcément des bails, frère. Je fais pas le jeu dans l'ordre, mais... C'est pas grave que j'ai pas fait le jeu dans l'ordre. On va aller là où on doit aller. Apparemment, fallait speeder. Je comprends pas là pourquoi autant de stress. Ah, où est la barre? Merci. Ok. Ok. Regardo, c'est bon, c'est coupé. J'ai téléchargé les schémas d'Apollo ici. Je dirais que tu peux accéder par là pour la turbine. Les turbines tournent à fond, Ricardo. À pleine vitesse. Ça va pas s'arrêter longtemps. Vous allez devoir passer en vitesse. Quel enfer, tout le monde parle en même temps. Ils ont essayé d'entrer dans ma cabine de contrôle avant de partir. Je sais, je me plains tout le temps au sujet de ces saloperies. Mais maintenant, j'ai la preuve que leur système est défectueux. Je dois rencontrer Spedding, votre boss, demain, même heure. What, c'est un bail? Je vais botter quelques culs. Donc quand il commencera à vous botter le cul aussi, eh bien, remerciez-moi. Et où le robot, là? Il est censé être là. Vous voyez, vous? Quoi? Ça. Ah non, pas encore. Ok. La turbine s'est arrêtée. Ça devrait aller. Tu devrais courir. Si les systèmes surchauffent, ils vont redémarrer. Ah bah ça c'est embêtant. Ok, let's go. Accéder à Apollo, c'est fait. Apollo. Ok. Ça va être tendu. Comme mon cul. Mais tu t'enfonces de plus en plus loin dans Apollo. Quoi? Et ton signal radio est de plus en plus faible. Je vais bientôt te perdre. Génial. Croise les doigts pour moi, ok? Personne ne perd. Un paquet de lambda en bas, Rip. Ça pourrait être dangereux. Samuel s'est sacrifié pour que j'arrive jusqu'ici. Il faut que j'essaie. Je me trouverais plutôt cool pour un synthétique. Moi aussi. Ah ah. Ah ah. Ok. Eh ben, on sait ce qui nous attend. On sait non seulement ce qui nous attend, mais on sait aussi ce qu'on va manger et on risque de manger grave, en fait. Donc, suite au prochain épisode, parce que ça fait déjà 30 minutes. Et je sais que vous voulez voir la suite, mais
Moi aussi, j'ai envie de faire la suite et on la fera tous ensemble, évidemment, parce que tous ensemble avec Emmanuel, c'est comme ça qu'on travaille le mieux. Allez, gros bisous YouTube! C'était l'épisode 18, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt pour la suite de nos aventures. Je rappelle que nous n'avons strictement plus d'armes et donc nous sommes face au problème. Voilà, seul face à notre destin. Bisous tout le monde, ciao ciao!